Bah, l'histoire du loup, c'est que en fait, j'étais remonté dans ma vallée là, pour écrire, enfin en tout cas mettre en forme le tome 2 d'Extinction. Et puis il y a le berger de l'Enchâtra qui est passé derrière chez moi et il a discuté et il a eu une attaque de loup. Il avait eu une attaque de loup une petite semaine avant. Parce qu'en fait, dans cette vallée, on avait été épargné par le loup. Enfin, épargné, le loup n'était pas monté. Puis là, il est monté, il a fait un carnage, il en a tué 50, 60. Et donc le type m'a expliqué les brebis agonisantes. Et puis après, les corps en décomposition, l'odeur, comment on appelle ça, les aigles, les vautours et tout. Et donc, j'ai trouvé que c'était une image dantesque. Et je me suis dit, tiens, on vit une époque complètement aseptisée. Et là, le type, c'est comme un espèce de western, ou une histoire très vieille, quoi. Et je suis parti là-dessus. Et puis, comme moi, j'avais une vision, j'étais plutôt pour le loup, comme ça, d'une manière un peu écologique, un peu, voilà. J'ai vu qu'il y avait un problème quand même de l'autre côté. Et donc, je suis parti sur ça. Et surtout, ça m'a permis de faire une histoire qui est pas manichéenne. On tient compte de la position du berger, etc., quoi. Là, j'ai fait la montagne. Et sur la montagne, qui observe les moutons, parce que les moutons, on les voit pas, mais ils sont en bas. On a la louve. Voilà. On a la louve. Il y a son petit louveteau qui va être un sacré guerrier dans l'histoire après. Et il va assister à l'attaque de sa mère. Voilà. Et puis on va lui mettre un peu de... C'est la nuit quand même.